Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Professeur S. On en a toujours fait le module EDD, alors on est chapitre 3. On va faire, fait de la vidéo, Inch'Allah, chapitre 3 et chapitre 4. Donc, Ida, vous avez zappé le chapitre 1 et 2. Donc, vous veuillez, s'il vous plaît, revenir chuis à la vidéo précédente. Et vous allez trouver chapitre 1, chapitre 2, la partie 1 de EDD. Donc le chapitre 3 est un ou à l'environnement et ressources naturelles. Alors, vous regardez les tafets, quelles sont les caractéristiques de la planète. Alors, où je suis. Donc la planète du système solaire, tarsement 3, biosphère, les êtres vivants, Kane aussi les océans et Kane aussi les continents. Ok, une lettre. Alors, constitué de 4 enveloppes externes, les Roma, la lithosphère, l'hydrosphère, l'atmosphère, biosphère. Alors, les deux Roma, les caractéristiques de la planète. Après, un deux couches Roma, les ressources de la Terre. Les ressources de la Terre, qu'est-ce que les autres, l'eau ou qu'est-ce l'air. Donc, il y a du tarsement en usage, rythme de reconstitution, le stress, ou surtout le stress, est problématique. Les énergies fossiles, où je nomme, il y a le pétrole, qui m'a produit son chaleur, électricité, carburant, auto, donc il y a le pétrole, tout ça. Le gaz naturel, donc c'est la même chose, production de chaleur et électricité, carburant auto, bon, électricité alternative. Qu'est-ce aussi le charbon, les rois, production de chaleur aussi, production de chaleur et électricité. Et qu'est-ce l'uranium, l'électricité. Qu'est-ce d'autres énergies aussi, les romans, solaire, éolienne, hydraulique, géothermie et biomasse. Alors, solaire, libérant de l'eau, chaleur et électricité, éolienne avec deux N-E, de l'eau béra, l'électricité, l'hydraulique, de l'eau béra, l'électricité, géothermie, de l'eau béra, la chaleur et l'électricité, biomasse, de l'eau béra, chauffage et électricité aussi. Quels sont les éléments minéraux? Alors, qui ment? L'or, un des bijouteries de l'arbre, l'argent, bijouterie, argenterie, photographie et tout. Quelle est la platine? Il y a aussi la même chose, ou quelle est le fer? Alors, quelle est la biodiversité? Donc, faire les sols et faire les ressources alimentaires. Donc, l'alimentation de l'homme et à l'animal, bien sûr. Le mec là, t'as les hommes ou t'as l'animal. À quoi ce chapitre 4? Les asmos, les substances polluantes. Alors, je nomme les différents types de pollution. Bien sûr, qu'il y a des pollutions réglementées, qu'il y a les composés organiques et qu'il y a les métaux lourds. Donc, à deux, les trois types de pollution. Alors, les pollutions réglementées, par exemple, CO, NO2, O3 et PB. Les composés organiques, les composés organiques volatiles, les romans COV, composés organiques volatiles. Quelles sont les grandes familles de les grandes familles de CoV, c'est quoi? C'est l'alcane, arsène, diène, etc. Ou quels sont les produits organiques persistants, qu'on appelle ça POP. Et quelles sont aussi les sources de les composés organiques volatiles, CoV. Et les métaux lourds, qui m'a le mercure et le plomb. Alors, une autre question, une autre étape. Il y a d'ailleurs les effets
de différentes substances sur l'environnement. Donc, effet de serre, vous allez dire, non, l'effet de serre et changement climatique. C'est-à-dire les effets de différentes substances à l'environnement. Alors, je nomme les effets sur les matériaux qu'on a dégradation des monuments et l'immeuble. Tu dégrades les monuments, les immeubles et tout. Alors, les effets sur les écosystèmes. Donc, la forêt, l'eau douce. Quels les effets sur la santé, toxicologie. Et quel bon, études à la toxicologie et études à la épidémiologie. Voilà. Alors, que nous recommandons normalement les différents types d'émetteurs? Les ressources naturelles et les ressources anthropiques, non naturelles, fait par l'homme. Voilà. Donc, ado, des effets naturels, climat volcanique, élevage d'animaux, donc ils ne sont pas liés à l'activité humaine, à les ressources naturelles. Et les ressources anthropiques, on a machine naturelle. Et ils sont faits par l'homme. Bien sûr, l'homme, ou les dirhams. C'est les sources anthropiques. Alors, pétrole aux usages nobles. Climat, les engins. Et aussi les voitures roulant sans pétrole. Alors, qu'il y a aussi l'amélioration de l'efficacité, pardon, énergétique. Donc, où je fais faire moins de consommation de carburant, usage des bicyclettes et tout. Et qu'il y a les appareils industriels, moins de carburant. Et qu'il y a, enfin, réduire les circulations. Réduire la circulation. Donc, à deux moments, amélioration de l'efficacité, pardon, énergétique. Donc, essayez, gars au collège, de ne pas consommer le carburant. Donc, un chouboulevilouette. C'est annulé. C'est un exemple parmi d'autres exemples aussi. Les produits de l'homme sans carburant, du coup, bicyclette, marcher, c'est bien de marcher aussi. Alors, le recyclage, où je ne vois qu'un recyclage interne au sein d'une même entreprise. Donc, c'est ce qu'il faut. Donc, le recyclage interne, donc, fait avec l'entreprise, les recyclage. Préservation de l'environnement. Comment on peut faire ça? Donc, construction des villes plus compactes, mélange de lieux de vie, travail, commerce, pour minimiser les déplacements, pardon. Du coup, on a des lieux de travail jusqu'à des mondes, le commerce, je me déplace, je vais faire une tour matinée, mais je vais comme ça. Alors, construction en boucle. Plus d'espace vert, on a des parcs et tout, on a des parcs, et énergie locale. Donc c'est tout. Où je fais le chapitre 3, chapitre 4, vous avez vu les EDD, surtout à l'environnement, pollution, où je l'aime, où je m'alaise, où je m'accache. Hada, c'est le minimum. Hada, je vais essayer d'avoir le maximum faire la seconde, bien sûr. Parce que très comme une question de 3, 4, les questions de cours. Parce que c'est surtout aussi des exercices. Du coup, on doit voir, fin notre vidéo, Inch'Allah, les exercices, les redéterminations EDD. J'espère que vous avez compris, j'espère que vous avez retenu maximum Firascom. Je vous souhaite bon courage. Et à une autre vidéo, Inch'Allah, sur les exos. Inch'Allah.